Wesh l'équipe, petit aparté dans le vlog pour vous dire que j'étais désolé par rapport au vlog d'hier pour la durée malheureusement à cause du vent et d'autres petites mésaventures, je n'ai pas pu mettre tous mes rushs pour la bonne simple raison qu'ils étaient inutilisables, ça aurait pas été de bonne qualité et puis vous me connaissez, je cherche à l'optimal pour vous. Bref, donc je vous laisse pour ce vlog, donc le vlog de mardi et demain on va à une grotte, vous verrez bien l'équipe, je vous en dis pas plus, tchuss et bon vlog. Zombie apocalypse. Et de 27,5 degrés à la température de l'air et de 31 degrés la journée restera ensoleillée. À 17h le tunnel, vous avez la dentillage fait par les animateurs. À 17h devant le grand matin, la dentillage. Ce soir à 21h, vous avez la soirée loto. Du côté du camping, ça va être snack, la soirée loto à 21h. Vous avez des crêpes dégagées de votre fraîche qui sont disponibles jusqu'à 18h et pas de pique de la piscine. Je vous rappelle que vous pouvez consommer seulement les pas de pique de la piscine pour le tour des bassins. Les potes aquatiques et nos fumeurs, c'est le fumier qui va protéger la cimetière aussi à les pas de pique de la piscine. Thank you.
Wesh l'équipe, comment vous allez l'équipe? Comme vous pouvez constater, je suis trempé. Mais surtout, bah, je suis en maillot de bain, donc voilà. Donc, j'ai détourné le petit moment piscine en fait, parce que j'étais pas sûr de pouvoir vous tourner. Mais finalement, bah, je voulais tourner, donc il est 17h04. Je commence le vlog à partir de 7h là, oui. Mais aujourd'hui, vous aurez un grand vlog avec 17h04. J'ai encore, je pense, 3 bonnes heures pour vous faire un bon vlog au moins d'une heure pour rattraper le vlog d'hier qui a duré que même pas 7 minutes. Donc là, du coup, première mission du vlog, c'est d'échanger. Je pense que je prends le gros stabilisateur. Non, moi je rigole, je vais garder ça. Mais c'est d'échanger et surtout de se changer et de récupérer la liseuse de ma cousine et de lui ramener en fait. Voilà. C'est parti, équipe. Donc voilà, ça y est, l'équipe. J'ai la liseuse de ma cousine. Puis bah, surtout, je me suis rhabillé. Hein. Notation des old fight dans le commentaire ou dans le chat de la première. Franchement, mon old fight est stylé. Donc après, je pense qu'on va aller faire du ballon. Alors, je sais pas encore quoi. Entre foot, basket. Voilà, on verra ce que je vais faire. Mais en tout cas, j'ai envie de faire encore un sport derrière. De toute façon, j'ai le choix de façon. Ou peut-être qu'on va aller refaire un peu de mini-golf. À voir. Je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire, mais je vais voir. En fonction de ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais il y a 95% de chances qu'on fasse du mini-golf. Pour 5% de chances qu'on fasse un truc avec un ballon. Sinon, on va aller à la quitter en bon fin. Vraiment, je sais pas quoi faire là, l'équipe, honnêtement. Donc, on va voir. Est-ce qu'on va aller se balader, on va aller discuter ensemble. Mais pour l'instant, la mission principale, c'est celle-ci. Puis bah, après, l'activité dépendra de mes envies. Et surtout, bah, après, on va aller voir s'il y a du monde au mini-golf ou basket ou autre. Puis on va aller demander à l'accueil bah, ce qu'on a besoin en fait. Donc, c'est parti, on se reprend tout de suite après l'équipe. Ah là, tu m'aimes là. Hein. Ouais, là, je t'aime. Ah là, tu m'aimes, tu payes combien? Je ne paye rien du tout. Pourquoi? Tu me donnes ma liseuse, s'il te plaît, merci. J'ai dit s'il te plaît, alors tu me donnes ma liseuse. Merci. Donc bah voilà l'équipe, mission accomplie. J'ai bien livré la liseuse à l'endroit où il fallait. Et j'ai été voir en même temps le mini-golf, donc il n'y a personne. Donc ça m'arrange, donc on va aller chercher bah, le club et la balle, et on va essayer tous les parcours avec 3 chances max. On va voir si je vais réussir à les faire tous en fait. Ce serait vraiment une dinguerie, une beauté. Je sais pas combien il y a exactement de parcours, mais on va essayer de tous les valider. Donc voilà l'équipe aussi, à ce qui paraît, bah, ce soir on va au resto, donc je vais voir si je vais filmer ou pas. Donc pour les gens qui verront la vidéo, bah regardez, c'est encore de la timeline après l'outro. Puis bah pour ceux qui resteront, enfin qui verront la vidéo en avant-première, bah et disait dans le chat, je vais l'indiquer si je vais au resto ou pas. Mais je verrai si je pourrais filmer en vrai. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous emprunter un club et une balle de golf, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Un seul? Un seul, oui. Voici. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est quel mobile? Le 170. 170, ça c'est noté. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Donc bah voilà l'équipe, c'est bon, j'ai récupéré donc le club et la balle. Donc on va retourner au mini golf faire les parties, donc 3 chances comme j'ai dit. On va faire tous les parcours aujourd'hui. J'ai tous les séchés, j'ai tous les gagnés en fait. J'ai juste le boss. Non, en vrai voilà, en fait j'avais kiffé la dernière fois le faire. Puis bah j'ai vu que vous avez aimé aussi dans le vlog. Donc on va refaire ça. On va faire voilà, la partie. On va faire tous les parcours, on va bien rendre le club et la balle et puis bah voilà. Aujourd'hui c'est plutôt ensoleillé, c'est grave bien, il fait 31 degrés, c'est grave chaud. Arrivé au club, je pense que je vais retirer mon t-shirt. Enfin, arrivé au mini golf, je vais retirer mon t-shirt, je pense, équipe. Puis voilà. Donc du coup, bah, je pense qu'après, on va faire une balade de Macha, une balade du chien. Puis bah voilà. Après, déjà un sacré vlog, je pense. Je pense que là, j'essaie de rattraper, mais en fait, le vlog d'hier, qui durait même pas 7 minutes. Voilà l'équipe.
Vous aura plu, nouvelle façon de tenir un club. Ouais, j'espère que ça vous aura plu cette mésaventure, non, cette aventure de mini golf. J'espère que j'aurai bien joué. À votre avis, personnellement, moi j'ai trouvé que j'avais un bon jeu. J'ai fait one shot à un moment donné. Tu sais, bah, la partie où il y a la rampe, j'ai fait la one shot pick. Elle a trop maudit, bref, la grosse galère. Mais en vrai, j'ai kiffé. J'espère que vous aurez kiffé ce petit moment golf. Et ben, c'est parti quoi, on va tout rendre. On va tricher en prenant la navette en fait. Donc c'est parti à navette. Je fais des vlogs. J'en ai fait 4 ici. Bon, je vlog mes vacances en fait. Ah ouais. T'as fait quoi? T'as fait des vlogs à l'étranger ou pas encore? Pas encore, normalement l'année prochaine. Ah, c'est sur les 9 en ligne, c'est compliqué. Mmh. Franchement, le mec de la navette, c'était le boss. Voilà, j'ai dit, c'est le boss. Donc du coup, là, on était faire quoi? Mini-golf, il nous reste quoi? Bah la balade du chien, bien évidemment. On va aller balader ensemble la bestiole, c'est parti l'équipe. Puis bah après, bah, je pense que ça sera à partir restaurant, s'il y a. Ou sinon, bah, ce sera là où trop, les gars. Sinon, quand vous ai dit, vous préviendrez sur la vidéo si il y aura la partie resto. Voilà, l'équipe. Donc du coup, bah comme dit avant, bah balade du chien, donc. On est en train de balader la petite Macha qui depuis je lui dis de rester au pied, bah je peux vous dire qu'elle file droit, hein, vraiment. Depuis tout à l'heure elle est là au pied, vraiment elle n'accélère pas, elle freine pas. Bon voilà quoi. Mais là, sa balade se passe bien, donc là on se balade sur un petit chemin tranquille. On est que tous les deux, on est tranquille, c'est pour ça que j'ai détaché en fait et je suis un peu vers l'extérieur du camping. Donc ça passe crème en fait. Bref. Donc j'espère que pour l'instant bah, la journée vous trouvez qu'elle est bien. J'espère qu'elle se passe bien pour vous. Moi en tout cas, piscine, tout ça, ça m'a fait grave du bien. J'ai pu vous la partager. Juste les boss. Voilà. Ah, elle a trouvé je sais pas quoi à manger par terre. Bref. Allez machin, on va partir dans l'autre sens. Donc c'est parti, on repart dans l'autre sens en fait. Hop. Voilà. Pardon. J'ai failli faire tomber ma cam, enfin j'ai failli faire tomber mon téléphone surtout. Donc j'avais un peu le seum. Bref. Mâche. Regardez, elle se cache là. Bon après elle a pas compris un truc parce que. Vu que j'ai dit de rester au pire, est-ce que côté gauche? J'aime pas trop parce que côté gauche, hein, c'est la route. Hein. Je préférerais qu'elle soit côté droit.
Mais je sais pas si elle comprendrait si je dis au pied côté droit. Mâche. Au pied côté droit. Côté droit. Là le regard c'est qu'est-ce que tu... Quoi? Quoi? Pardon? Et puis quand un chien comprend sa gauche et sa droite? Non mais... C'est la bosse en fait. C'est la bosse. Et puis quand tu comprends ta gauche et ta droite toi? Bref. Donc voilà l'équipe. Moi personnellement, c'était une putain de journée. Donc j'essaie de rattraper mon vlog d'hier qui était vraiment très très court. Ah je me répète hein. Ça c'est mon défaut, c'est que je me répète énormément. Étant tout seul en fait. ce serait plus facile pour moi de vlog si j'étais avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on ferait des conneries etc. Et puis bah on s'amuserait. Par rapport à là je suis tout seul. Donc voilà, bon là bah, je suis accompagné. D'ailleurs on m'a choqué là vraiment. Je savais pas qu'un chien comprenait sa gauche et sa droite. Au pied. Au pied machin. Voilà vu qu'il y a une cave loin donc voilà. Mais bon, elle comprend très vite le rappel à l'ordre, c'est la bosse quoi. Donc là en plus, là on est en train de passer à côté, machin. On est en train de passer là au niveau du truc de tennis. La cour, la fameuse cour de tennis, je vais vous montrer de l'autre sens en fait. Donc là il y a la cour de tennis, elle est super grande. Alors, vraiment que je trouve quelqu'un pour jouer pendant la petite heure de location au tennis avec moi. Mais je devrais bien trouver quelqu'un qui voudrait. Mais en vrai c'est grave bien. C'est un super bon camping sur ce point là en fait, je kiffe, il y a plein de trucs de sport, là il y a le basket, le foot, bref, je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit dans le premier vlog. Mais bon vraiment, le Crodozon, le domaine du Crodozon, c'est vraiment les boss quoi. Une équipe super bien, ils sont hyper rapides, ce matin on a eu une panne de gaz, 2 minutes après ils changeaient la bonbonne de gaz, vraiment ils vont super vite, vraiment meilleur camping. Regardez-moi cette fatiguée de la vie, machin. Vous voyez, dès qu'il y a un rappel à l'ordre, elle comprend. Et c'est ça que j'aime sur cette tienne à... Mâche. Au pied. Machin. Regardez. C'est juste la bosse en fait. Bref. Hop. Donc voilà. Donc j'ai rattraché la chaîne. Puis bah je vais faire un retour au bungalow. Donc peut-être qu'on se retrouve juste après au resto. Mais ça à voir en fait. Mais bon. On verra bien.